Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 14, leçon J. And in this lesson, we'll see together the part number four of uh, this series of videos, Les Verbes et les Prépositions. Okay, but then first, uh, we should definitely see some keywords because I will use them uh, when I will explain the structures that we'll make with the verbs. So, quelqu'un means someone, somebody, quelque chose. Something, quelque part, somewhere, someplace. So, quelqu'un, quelque chose, quelque part. Okay? First verb, and it's craindre. Okay, we've got a translation here in English. So, let's see now the structures that we can make with this verb. And the first one is craindre quelqu'un, craindre quelque chose. Okay, so you can see that we don't put any preposition. Or then it can be craindre pour quelque chose. Okay, well then we can use this preposition de, craindre de, and then the verb that will come after should be at the infinitive form. And the last option we've got is craindre que, and then the verb should be at the subjonctif. Okay, so let's see with them one more time. Craindre quelqu'un, craindre quelque chose, craindre pour quelque chose, craindre de plus verbe à l'infinitif craindre que plus verbe au subjonctif verbe suivant uh, croire and croire means to believe so we can see the structures here the first one la première craindre quelque, uh, sorry croire quelqu'un croire quelque chose okay so you can see that we don't put any preposition here Second option would be croire à quelque chose. Option numéro 3, croire en quelqu'un. Croire en quelque chose. Ok. Then croire quelque chose de quelqu'un. Then croire, and after that you just put a verb at the infinitive. And the last option we would have would be croire que plus indicatif. Okay, remember it's not because we're using this que that we will put all the verbs at the subjunctive. Okay, I've been making some videos regarding this topic, so and especially in that case with croire, it should be at the indicatif. Okay, so one more time. Croire quelqu'un, croire quelque chose. croire à quelque chose croire en quelqu'un croire en quelque chose croire quelque chose de quelqu'un croire plus verbe à l'infinitif croire que plus verbe à l'indicatif and the next verb is décider décider ok First structure, decider quelque chose. So you can see that we don't put any preposition here. Decider quelque chose. Okay. Second structure, decider de quelque chose. Decider quelqu'un a, and the verb should be at the infinitive after. Okay. Decider de, and the verb should be at the infinitive after. Or then, decider que. Plus indicatif. Okay, remember, it's not with subjunctive, but indicatif. Okay, so one more time, décider quelque chose, décider de quelque chose, décider quelqu'un a plus verbe à l'infinitif, décider de plus verbe à l'infinitif, décider que plus verbe à l'indicatif. Verbe suivant verbe découvrir découvrir to discover it's actually quite simple because we've got two structures possible the first one no preposition découvrir quelqu'un découvrir quelque chose okay and well then découvrir que plus indicatif d'accord donc découvrir quelqu'un découvrir quelque chose découvrir que plus verbe à l'indicatif Verbe suivant, verbe demander. Première structure, demander quelqu'un, demander quelque chose. So no proposition here. Demander quelqu'un, demander quelque chose. Deuxième structure, demander quelque chose à quelqu'un. Demander à quelqu'un de, and the verb should be at the infinitive form after. OK so demander à quelqu'un de plus infinitif and the last one demander que plus verbe au subjonctif OK so one more time demander quelqu'un demander quelque chose demander quelque chose à quelqu'un demander à quelqu'un de plus verbe à l'infinitif demander que plus verbe au subjonctif, and then the verb descendre, okay, means go down, take down. Première possibilité descendre quelque part, okay, descendre quelque part. Deuxième possibilité descendre quelqu'un, descendre quelque chose. No preposition here. Or then it could be descendre de quelqu'un, or then descendre de quelque chose. And the last one, descendre plus, verbe à l'infinitif. Ok, so one more time. Descendre quelque part, descendre quelqu'un, descendre quelque chose. Descendre de quelqu'un, descendre de quelque chose. And then descendre plus, verbe à l'infinitif. Détester. Détester quelqu'un, détester... Quelque chose. No preposition. Détester quelqu'un, détester quelque chose. D'accord Then it could be détester plus verbe à l'infinitif. Détester que plus verbe au subjonctif. Ok, so one more time. Détester quelqu'un, détester quelque chose. Détester plus verbe à l'infinitif. Détester que plus verbe au subjonctif dire So we get two pages for this dire because it's uh, it's quite rich <laughs> when we're talking about the structures that we can make with this verb Okay, so the first one, dire quelque chose, so no preposition here, dire quelque chose Okay, so you can have dire quelque chose à quelqu'un c'est aussi possible de dire quelque chose de quelqu'un ou quelque chose. Dire quelque chose sur quelqu'un ou quelque chose. Okay, so one more time. Dire quelque chose, dire quelque chose à quelqu'un. Dire quelque chose de quelqu'un. Dire quelque chose de quelque chose. Dire quelque chose sur quelqu'un. Dire quelque chose. Sur quelque chose. Ok Second page, as I said. Dire plus infinitif. Dire que plus verbe à l'indicatif. Dire ce que plus verbe à l'indicatif. Dire à quelqu'un de plus infinitif. Dire à quelqu'un que plus subjonctif. All right, so you can see that in that case, well, we can see that que here is followed by the indicative, but then à quelqu'un que should be followed by the subjunctive. Okay, if you don't know how to make them, then. check the channel and uh, try to find the subjunctive videos and uh, I explain you how to make them but then one more time so dire plus infinitif dire que plus indicatif dire ce que plus indicatif dire à quelqu'un de plus infinitif dire à quelqu'un que plus subjonctif discuter Discuter quelque chose. So you can see no proposition here, but then it's also possible to use this de. Discuter de quelque chose, or then discuter sur quelque chose. Okay, so discuter quelque chose, discuter de quelque chose, discuter sur quelque chose. And that's it. If you want more videos then youtube.com/imagier slash and then you can like me on Facebook if you want or at least visit the page and it's right here and uh, more material can be found at the following address www.imagier.net. Have a great day. Bye bye.